Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, film redécouvert, j'ai envie de me redécouvrir le chinois, le retour du chinois, le chinois 2. Alors si vous vous rappelez sur ma chaîne, si vous suivez ma chaîne, il y a quelques temps, j'avais fait le chinois 1. Et bah, je me suis dit, j'ai envie de me refaire le chinois 2. Parce que le chinois 1 m'avait vraiment marqué, celui-ci m'avait beaucoup moins marqué. Je l'avais vu une seule fois, de mémoire, je me rappelle que c'était un flic qui... son collègue se faisait tuer et il voulait avoir une sorte de vengeance. Donc c'était à peu près ça le film, quoi. The Protector, en version originale. Donc c'est un film, je suis passé complètement à côté à l'époque de... Enfin, pas à côté, mais je veux dire, je l'avais vu juste une fois. Donc c'est un film qui m'a pas vraiment marqué, j'en ai des brefs souvenirs. C'est pas un très bon film de Jackie Chan, ça c'est sûr, mais ça reste un film assez bon pour le voir, quoi. Donc, on va voir qu'est-ce que ça vaut. C'est parti. A few moments later. Donc, je viens de me finir le Retour du Chinois avec Jackie Chan. Un film très correct. Hein. Bon, c'est pas le meilleur de ce qu'a fait Jackie Chan, mais ça reste un film très intéressant, qui est très bien, très agréable à voir. Il y a des bonnes petites scènes d'action, des petites scènes de combat, du gunfight. On passe un bon moment à ce film. Pour moi, il est même au-dessus du Chinois 1, parce que on sent que Jackie a un peu plus réussi à mettre sa patte dans le film, parce que dans le Chinois 1, on voyait bien qu'il était un peu bridé. Là, ça va beaucoup mieux. Je sais pas qui c'est qui avait fait ce... C'est qui a fait ce film-là. Producteur produit par Leonardo... Ouais, d'accord. Donc, ouais. Enfin, non, ce film vaut le détour. Il vaut le détour. Si vous ne l'avez jamais vu, le Retour du Chinois, il est sympa. On a, comme je vous disais, des bonnes scènes d'action, la bonne baston, le scénario est très correct. On passe un très bon moment à voir ce film, il dure pas très longtemps, 1h30, 1h40, je sais plus. Et bon, moi, je vous le conseille. Hein. Donc oui, le Chinois reste un bon film à voir, un bon film de Jackie Chan, qui ne fera pas partie de ses meilleurs, mais ça reste bien dans la moyenne de Jackie Chan. Et donc oui, le Chinois est encore bien visible et vaut encore le coup à notre époque. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.